Vous écoutez Judaïcane sur Radio Shalom Nitsan. Deuxième partie de Judaïcane, Carole Glassman reçoit Daniel Amsalag, consultant, conférencier en management et développement personnel. Chaque semaine, nous recevons un invité qui nous dresse son portrait, son itinéraire, sa biographie, son parcours et quelques anecdotes très riches à découvrir. Aujourd'hui, notre invité, Daniel Amsalag, récemment arrivé dans notre communauté il y a un an et demi. Daniel, bonjour Daniel. Bonjour Carole. Merci cher Daniel d'avoir répondu présent à notre invitation, car je sais que vous êtes très pris, vous travaillez dans toute la France et je vous ai invité pour que vous vous présentiez votre parcours que j'ai trouvé très intéressant et original. Donc première question, d'où venez-vous? Où avez-vous grandi cher Daniel? Merci Carole de votre invitation aussi et permettez-moi d'en profiter d'abord pour dire à tous nos auditeurs et nos auditrices un grand Shabbat Shalom pour ce Shabbat qui s'annonce. Et voilà. Alors, en fait, comme vous l'avez dit, je suis arrivé à Tours il y a un an et demi. Je suis originaire du Maroc, d'une famille juive traditionnelle. J'y ai vécu pendant 20 ans. À Rabat, hein, vous l'avez dit. À Rabat, exactement. Et voilà, j'ai grandi dans une famille d'ouverture, à la fois d'esprit, mais au niveau des contacts, des relations avec la population locale, donc avec des Marocains musulmans en règle générale, mais aussi avec des Marocains qui venaient d'autres horizons, comme des Espagnols, des Français, des Italiens. Voilà. Vous nous avez dit que vos parents aimaient recevoir chaque semaine à la maison. Enfin, c'était au niveau du Shabbat pour les fêtes. Oui, vrai que j'ai grandi dans cette tradition, dans cette culture d'ouverture, à la fois dans la tradition juive de la pratique à la fois religieuse, mais aussi dans cette ambiance, dans cette culture de l'hospitalité. À travers mes parents qui ont toujours reçu à la maison des personnes de toute confession et avec lesquelles j'ai pu découvrir d'autres facettes et comme ça j'ai pu grandir dans cette ouverture d'esprit. Alors, vous m'avez dit ce qui était. Racontez-nous l'anecdote, parce que vous avez fait partie des scouts de là-bas, quoi. Tout en fait. À fait. À l'âge de 13 ans, j'ai donc été scout. Mais particulier, hein. C'était, oui, c'était un petit peu particulier parce que j'avais des voisins qui étaient espagnols, donc plutôt catholiques. Et un de leurs fils, qui était chef de patrouille, m'a proposé de faire partie de sa patrouille de scout. Et à partir de là, quand j'ai intégré cette patrouille, je me suis aperçu à la fois qu'il y avait des catholiques, des protestants, puisque notre quartier général, si je puis dire, se trouvait dans le temple protestant en compagnie du pasteur qui nous prêtait ce local. Et j'ai découvert assez vite que le chef de troupe était un protestant lui-même, mais qui était marié avec une juive. Donc tout ça a fait que nous avons pu vivre ensemble, mais également faire des camps ensemble. Et à partir de là, moi-même, j'ai pu intégrer d'autres amis juifs que j'avais, ainsi que d'autres amis musulmans. Et on peut dire que ça a été l'équipe confessionnelle, les scouts confessionnels de Rabat. De Mosaïque, en fait. Hein, Mosaïque, oui, tout à fait. Bien, donc là, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose sur ce parcours, sur Maroc? Vous m'aviez parlé que vos parents recevaient toutes les personnes de chaque religion pendant la Mimouna pour fêter justement... Oui, en fait, c'était le prolongement un petit peu de cette ouverture qu'avaient mes parents au Maroc et en particulier à Rabat. Avec, si vous voulez, la joie et l'honneur de recevoir tout ce beau monde, si je puis dire, mais particulièrement le soir de la Mimouna,
Il s'avérait que le gouverneur de Rabat Salé, qui était un ami de mes parents, nous faisait parvenir à notre table de la Mimouna une alose. Alors une alose, c'est un grand poisson d'eau douce qui est très prisé au Maroc. Et il nous faisait parvenir ce plateau avec ce grand poisson et avec plein d'herbes odoriférantes autour pour nous souhaiter la bonne fête. C'était un moment assez exceptionnel, d'autant plus qu'à notre table ce soir-là, le soir de la Mimouna, on accueillait à la fois des juifs mais également des non-juifs. Des non-juifs. Donc vous passez votre bac à Rabat et vous arrivez à Tours et vous décidez de faire vos études à Tours. Tout à fait. Alors, il y a une petite parenthèse, c'est oui. que je suis resté à Rabat jusqu'en première et j'ai eu l'occasion d'aller vivre seul pendant un an, l'année de ma terminale, à Meknès. Ah. Meknès, que j'avais connu auparavant lorsque j'avais 11-12 ans. Et pendant 2 ans, mes parents m'envoyaient régulièrement à Meknès pour préparer auprès d'un rabbin ma bar mitzvah. Et donc j'y suis retourné pour y faire ma terminale, parce que franchement, faire ma terminale dans ma ville natale, ça n'avait rien de bon avec mes copains avec pour préparer copains. Le bac. Alors, donc vous passez le bac et vous décidez de faire des études à l'université à Tours, des études de gestion et de droit. Tout à et fait. Et vous restez au moins 7 ans pour un voilà. master, pour des J'arrive masters. À Tours, tout frais moulu de Rabat en août 79, donc ça fait déjà un bail. Et puis la ville m'a vraiment plu et j'y suis resté 7 ans. Cette année au cours desquelles j'ai pu poursuivre mes études, mais comme un ami disait pour Daniel, c'est pas lui qui poursuit ses études, c'est ses études qui le poursuivent. Puis vous êtes engagé aussi au niveau de la communauté. Tout à fait. Je suis arrivé pratiquement en même temps que le rabbin Sayag qui a été 7 années plus tard, donc il est reparti en même temps que moi pratiquement, et qui a été muté au Grand-Duché du Luxembourg en tant que grand rabbin. Donc j'ai participé bien sûr à la communauté à plusieurs niveaux, à la fois bien sûr en tant que fidèle, mais en tant que responsable de la jeunesse et des étudiants sur Tours. Oui, UEJF. Voilà, et j'y ai assuré les cours de Talmud Torah. Et j'ai participé, je pense, activement avec le rabbin Sayag à la Hevra Kadisha. D'accord. Donc, une fois diplômé, vous arrivez à Paris, vous vous mettez à votre compte, vous créez votre cabinet de consultant, vous devenez conférencier, et avec 3 expertises à votre clé, donc vous pouvez nous en dire un oui, petit peu plus. Oui, alors en fait, je suis venu dans un premier temps à Paris. J'ai travaillé dans un premier temps chez Rank Xerox pour me faire, on va dire, les dents au niveau commercial en tant qu'ingénieur commercial. Et puis progressivement, j'ai décidé de me mettre à mon compte. Donc j'ai créé un cabinet de conseil en organisation et en gestion d'entreprise. Cabinet que j'ai gardé pendant 17 années. Et parallèlement à ça, j'ai assuré les fonctions d'assistant dans des universités en France, en particulier à Tours, à Rouen ou même à Paris et à Bordeaux. Et j'avais un domaine de prédilection à l'époque qui fait toujours partie de mes tablettes, à savoir les contrats informatiques. Voilà. Et vous m'aviez dit aussi le côté expertise informatisme, management, développement, communication non violente. Alors aujourd'hui, justement, je me relance puisque je suis de nouveau dans de nouveaux habits ici à Cannes, des habits d'ailleurs plutôt chaleureux. Et je reprends mes activités à la fois de conférencier, de coach
et en développement personnel. Donc c'est vrai que la communication non violente fait partie de la liste de mes interventions, mais pas que. On essaiera d'organiser une conférence au sein de la CI. Donc, vous êtes à Cannes maintenant depuis un an et demi. Vous rejoignez la communauté juive de Cannes et vous souhaitez remercier particulièrement certaines personnes qui vous ont chaleureusement accueilli à votre arrivée. Tout à fait. Je dois dire que j'ai très bien été accueilli dans la communauté de Cannes. Et franchement, de tout mon cœur et avec beaucoup de sincérité, j'aimerais remercier toutes celles et tous ceux qui m'ont accueilli, et en particulier notre rabbin, le Rav Moyal, son épouse, la rabbinite Eva, mais aussi notre ami Roger Ayash, ainsi que son épouse Isabelle. Et bien sûr, hein, on peut pas faire l'impasse sur notre président, Monsieur Gérard Bavard. Donc là, vous apportez de nouveau votre participation effective avec le système sécuritaire, enfin au niveau de la synagogue, Evra Kadisha, toujours vous tout participez. Et puis vous êtes aussi le référent du Vivre Ensemble. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce que vous apportent ces implications? Qu'est-ce que vous recherchez en fait Moi, je considère que lorsqu'on est un fidèle d'une communauté, on se doit d'être un fidèle actif, comme je l'ai été pendant 30 ans, à la fois à Tours, à Paris, ou pendant 20 ans dans la communauté de Saint-Ouen, dans laquelle j'étais vice-président. Aujourd'hui, à Cannes, j'ai souhaité très rapidement prendre de petites responsabilités, en tout cas dans un premier temps, au sein de la communauté. Et la communauté, et entre autres le président Bavard l'a bien compris, que je voulais être actif et aider au mieux que je pouvais. Donc, dans un premier temps, on m'a délégué, si je puis dire, des responsabilités au niveau de l'arsenal, on va dire, sécuritaire de la synagogue, mais également ma participation à la Hevra Kadisha dans l'équipe de Monsieur le Rabbin Moyal. Et également, je souhaite m'impliquer encore plus dans la communauté en fonction du temps qui passera et de ce qu'on aura l'occasion de m'accorder. Alors justement, je rebondis parce qu'il nous reste... Alexandre oui. nous fait un signe qu'il nous reste une seconde. Qu'est-ce que vous voulez dire au niveau de vos valeurs et du respect? Parce que vous aviez écrit quelque chose qui était très intéressant au niveau du... Donc c'est vrai, c'est un petit papier que j'avais écrit en tant que vice-président en mars 2010, lorsque j'étais vice-président à Saint-Ouen, donc dans la région parisienne. Dites-le parce donc que... je vais vous le lire, le respect. Il n'y a pas d'amour, il n'existe que des preuves d'amour. Ainsi en est-il pour le respect qui n'existe que par des preuves. Au-delà de l'anagramme du mot respect qui forme les mots sceptre et spectre, sur lesquels on peut méditer, le respect peut être l'abréviation de R comme responsabilité, celle que l'on porte vis-à-vis de soi et vis-à-vis de l'autre. E comme espace et éducation, l'espace dans lequel justement cette responsabilité va s'exercer à l'égard de notre environnement et à l'adresse de l'autre. S comme spécifique, car le respect comporte plusieurs facettes et qu'il s'applique de façon spécifique dans une situation donnée, environnement, société, parents, hiérarchie, maître, religion, professionnel, etc. Et ce RES, justement, il procure les lettres qui suivent, c'est-à-dire P comme la paix, c'est une des résultantes du respect, P de l'être et du moi, P de l'âme, P avec l'autre. E comme énergie positive, celle du corps et de l'esprit qui aide à prolonger notre action du respect. C comme construire le propre de l'homme. Ainsi, le respect construit l'homme et l'homme se construit au travers du respect qu'il procure à l'autre et du respect qu'il reçoit de l'autre.
T comme temps et transmission, cette notion du temps qui agit sur la transmission, les lois et les fondements qui évoluent, les notions et les définitions du respect qui s'additionnent et se perdent aussi, les questions sociétales qui se posent à nous et que nous avons tenté de résoudre aujourd'hui. Et bien sur ces derniers mots, merci Daniel pour le temps que vous nous avez accordé aujourd'hui. Merci Shabbat, de m'avoir accueilli. Shabbat Shalom et portez-vous bien chers amis. Shabbat Daniel. Shalom Mevorach et à très bientôt dans notre communauté et à Judaïkan. Merci. Merci. Fin de cette deuxième partie de Judaïkan, Karl Glassman recevait Daniel Amsalag, consultant, conférencier en management et développement personnel. L'émission Judaïkan de cette semaine malheureusement se termine. Je vous rappelle que vous pourrez retrouver cette émission et la faire partager à vos amis, tout d'abord sur le site de RCN. Pour ce qui est de la vidéo, rejoignez-nous sur le Facebook, la chaîne YouTube, intitulée tous deux Judaïkan, ou alors suivez les liens sur le site du Consistoire de Cannes. Shabbat Shalom! Et bonne semaine à tous !